les mecs, est-ce que vous aimez les fantômes? Non! Mais oh, tu laisses faire mon intro. Comme vous pouvez le constater, j'ai un aspirateur Dyson. Pas de placement de produit, vous inquiétez pas. Et l'objectif, c'est de capturer des fantômes parce que nous, on aime pas les fantômes. Est-ce que t'aimes les fantômes, Shawen? Moi, j'aime bien Casper le fantôme. Dédicace à tous les Casper. Bon Shawen, arrête de jouer avant là, ouais. T'es où là? T'es ouais, t'inquiète, ouais, je suis en train de parler à mon ami Gasper. Attends, je vais tenter de faire un truc. Ah ouais, je voulais aspirer ton âme mais t'as pas d'âme. Oh bah attends, mais je peux l'aspirer. Bah évidemment. Ah, j'ai aspiré ton cerveau. Oh, le truc pas drôle. Ah bah y'a rien dans l'aspirateur. C'est bon. T'es sérieux là? Oh ta blague pas drôle, c'est bon, il est fatigué là. Oh, tiens, attends, c'est la blague de mon tonton. Mais oh mais parce que je suis ton tonton. Oh mon tonton, bon. Je suis le frère de ta. Je suis le frère de ta mère. Tu comprends ça? T'as insulté ma mère là? Non mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est CAP ménage. Ah mais là oh, mais là on est clairement des agents d'entretien là. Je crois que je vais refaire l'intro hein. Voilà, c'est reparti. Ok les mecs, aujourd'hui on va devoir farmer le meilleur aspirateur possible. On va être au SMIC les mecs. C'était pas mal l'intro. T'as quoi contre le SMIC là? T'as quoi contre les SMICards? Non mais depuis que j'ai appris que tu bossais à Conforama, j'ai plus aucune haine envers toi. Mais c'est Castorama. C'est pareil. Mais respecte juste un petit peu s'il te plaît. Oh, genre c'est minimum. En fait, je viens de comprendre, on a des sacs à dos à 50 et on peut pas stacker plus. Bah oh. Oui, normal. Je vais acheter un vacuum. Oh là là, j'ai acheté un vacuum. J'ai acheté le vacuum. Oh, comme il est si le vacuum. Il est jaune. Bah moi ça fait très longtemps que je l'ai donc j'en ai un peu rien à faire mais oui, bon, tu laisses couler par terre toi. Tu penses pas aux pays défavorisés toi, ça se voit. Hein? Quoi? Mais c'est quoi les pays défavorisés? Bah les pays qui ont pas à manger. Si tu laisses de la nourriture par terre, c'est pas ouf hein. Je m'en fous. Oh, t'es sérieux? J'ai vraiment de vendre un truc qui est humanitaire toi, raciste. Mais je suis humanitaire. J'aide les humains. Ouais, c'est vrai. Tiens, on ramasse des rubis pour les pays en sous-développement. Non, c'est pas ça. Quoi? Comment ça, c'est bon? Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Bah quoi? C'est pas des pays en sous-développement, c'est juste des pays qui voilà. C'est ça, c'est un truc vraiment d'européen de dire ça. Oh, pardon, c'est. En fait, les Européens, on est cons. Clairement, ouais. Sur les termes. Voilà. Sur les termes. Ah. Les abonnés, on est tous cons. Comme ça, ils peuvent pas m'insulter parce que je me suis mis dans le lot. En tout cas, moi, je vais acheter un nouveau sac à dos parce que nous, on est un pays vraiment riche. Du coup, on achète n'importe quoi. Voilà. Est-ce que t'as acheté un. Oh, mais. Oh, là, là, là. Je parie que tu vas faire comme moi. Je parie que tu fais comme moi. De quoi? T'as donc ça un sac à dos? Oui, donc ça. Bah mais évidemment. Pourquoi il m'appelle Shawen lui? Il veut quoi lui? Il m'insulte en plus. Il vient de m'insulter le mec là. Attention à ce que tu dis hein. Pour moi des hashtags c'est des insultes hein. Twitter c'est réputé pour être aigri hein. Est-ce que tu penses que Twitter a donné une carrière au hashtag? Bah évidemment. Attends, je vais peut-être te choquer mais le créateur des hashtags c'est Noxtag. Ouais, parce que ça finit par tag. Ouais, tu penses pas? Mais je pense que c'est même toi qui a inventé le XD. Allez, il l'insulte. Il fait que de t'insulter là. Va le dégommer. Va dégommer Tyler. Il fait que de t'insulter. Dégomme-le. Bah non, là c'est toi qui insulte. Vraiment, t'es oui, t'es bah, idiot. Aide-moi un minimum. Oh, sois bah utile. Non, mais j'ai pas envie. Ah, mais je suis pas un vrai pote, là, Yann. Hein. Ah, mais t'inquiète pas. Ah, oui, je t'aime. Ah, oui, carrément. Ah, c'est très à l'aise. On est super à l'aise, bah, là, d'un coup. Là. Écoute, pourquoi ne pas l'être, finalement? Je t'aime, on est où et puis quand encore? Je suis ta mère, moi? Ah, bah, lève-toi de ton écran et va le dire à ta mère. Oula. Bah, mais j'ai pas de mère. Et là, on va être bien bête derrière l'écran. On peut pas le savoir. Bah si, donc t'évites de dire ce genre de phrase, ok? J'ai l'impression que toute la vidéo on fera les beaufs. Ouais, franchement faut arrêter d'être beauf les amis. Allez c'est parti, 3, 2, 1, jokebox numéro 1 de Shawen. Allez, je t'ai dépassé Shawen. Mais tu m'as dépassé de quoi? Je suis meilleur que toi. Ah, ça c'est le jokebox que j'aime ça. Ah, mais par contre ça coûte super cher d'acheter des vacuums. C'est quoi les vacuums? Je comprends rien. C'est des aspirateurs quand on est un bourgeois. Quand on sait parler quoi. Ah bon? Oui. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Bah, c'est parce que toi t'es comme un gnome, toi t'es bête. Oh mais écoutez-le, c'était gris du bled. T'allais dire de merde, t'es vraiment un raciste. Non, mais écoutez-le. Mais... Et moi, ce qui me saoule un peu, c'est que j'ai aucun Robux. Je sens que je vais être plus nul que toi. Je sens que j'avancerai pas. Est-ce que tu veux savoir quelque chose? Mais tu t'en fous de tout ce que je te dis? Non, vraiment pas. J'ai payé des pets et je ne les ai pas dans mon inventaire. Let's go! Ok, voilà. Mais je vais me faire arnaquer. Bah déjà, attends-moi avant d'avoir des pets. Non mais c'est énervant. C'est où t'achètes des pets pour voir si je peux les acheter? Je suis tellement dégoûté. C'est dans le truc des. C'est dans le shop. C'est le dernier truc. Ah, ça t'apprendra hein. Mais ça m'apprendra de quoi? J'aurais pu être meilleur que toi et te dire que j'aurais pu me sentir bien en me disant oui. Oui. J'ai un nouveau vacuum, oui. J'ai mal vacuum. J'ai l'impression qu'on parle d'un animal dans un zoo. Le vacuum. Je suis parti au zoo pour observer le vacuum. Je trouve que c'est vraiment un animal. Hein. Des animaux. Oh t'es raciste. J'en ai marre des racistes. Attends, t'as ouvert avec tes pets, enfin avec tes gemmes? Bah oui! En plus, t'as ouvert un truc à 4700, non? Bah oui! Attends, je sens que je vais me faire arnaquer aussi, moi! Mais non, mais vraiment, je me suis fait arnaquer! Ok. Y'a pas de pets, quoi! Ah ouais, bah quoi? Bah, t'as pareil que moi? Bah ouais, j'ai pareil, c'est trop chiant! En fait, moi, j'ai mes abonnés qui me servent de pets, ils me suivent partout! Bah donc, oui, mais on est d'accord que t'as pas de pets quand t'en prends un? Non, j'ai pas de pets! C'est vraiment des arnaqueurs! C'est vraiment un jeu d'arnaqueur! Le jeu, il arnaque, c'est vraiment chiant le jeu! Ouais, moi, je suis d'accord! Je pense qu'il faut que tu aies d'un côté de moi et qu'on fasse une pétition à deux pour qu'on soit plus pris en compte! Et tu trouves pas qu'il y a
pas cette fantôme. Bah on est à la zone numéro 1. On doit marcher des kilomètres. Vas-y viens, on fait un. Vas-y viens à côté de moi là. Ouais quoi. On fait un coup de gueule. Ok, on fait un coup de gueule. Vas-y. Regarde, on est 3 même là. On fait un coup de gueule à 3 là avec mon pet. Quoi? Non, le chien. La caisse. La caisse? Oui. Le chien de la caisse. J'ai le chien dans la caisse. Voilà, petit ref. Attends, il veut quoi lui là? Appuie sur E. Well, well, well. Ah, je suis pas anglais mon gars, désolé. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il fout quoi ce type? Ah, ils sont là! Oh mais non! Les pets! Oh let's go. Oh let's go baby. Oh let's go baby. Non, t'es vraiment un tricheur. T'es vraiment. En fait, t'as simplement attendu que je te dise quoi faire. Sans moi, t'aurais rien eu. Genre, t'aurais eu des choses sans moi là. Ah, attends, mais je suis suivi par la bac là. Oh le dégradé! Viens ici, viens au spawn. T'es mal dégradé du bug. Oh, j'ai rien à faire là, Inès. Moi, je suis en train de truc des fantômes. Raciste, t'es raciste. Pour la pet, je vais acheter un meilleur vacuum. Voilà, mon nouvel animal de compagnie, le nouveau vacuum. Là, je vais te détruire, je vais te pulvériser, mon gars. Oh, vas-y, toi, tu vas détruire personne. Ah, si. Ah, que si, oh, que si. Oh, que si, je vais te détruire. Oh, que si. Je suis en train de parler au mec, j'ai gagné 5 gemmes. Super, on va aller loin avec 5 gemmes. Oui, allez. À d'autres, 300 fois plus débile, comme dirait Spaz. Attends, mais attends, t'as un escroc. J'allais faire pareil, t'es vraiment un escroc. De quoi? Mais t'as un meilleur truc que moi, arrête de parler d'escroc. T'as acheté plusieurs gemmes à l'escroc. Enfin, t'as acheté plusieurs pets avec des gemmes. Bah, et ça, oui. Tu m'as pas dit, hein. Ça, bah, étonnamment, tu le dis pas, hein. Bah, non, je veux être meilleur que toi, c'est évidemment. Attends, mais évidemment. Il dit quoi lui? Il dit quoi? Bah, il est supérieur à Shawen. Yes! Voilà! Ça, c'est la Todd Army, ça. C'est la Todd Army qui s'est fait corrompre. T'as aucune commu, Shawen. Personne t'aime. Voilà. Oh non! Dans d'autres vidéos, tu t'avais pas dit qu'un homme ça pleure pas? Ah, je suis un homme! Vas-y, fais un homme, je m'en fous! M'en fous! Non, mais là vraiment, j'ai le fils derrière moi là. Ils me disent tout ce que je fais là. C'est tout le temps les filles qui ont des meilleures notes. Quoi? Donc oui, les hommes sont bêtes. Mais c'est pas parce que toi t'es abruti que tout le monde est abruti, hein. Oh, écoutez-le, c'est gris à deux balles là, à deux sous. Oh là là, ce biome nécessite une antenne de niveau 2. Oh, j'ai compris! En gros, on doit acheter une antenne meilleure pour aller dans les autres zones. Mais elle est où ton antenne? C'est quoi l'antenne? Bah, tu me poses beaucoup de questions tout de même là. Ah, c'est sac à dos. Attends, il a un overboard lui, il se malade. Il est malade ce type. Mais tu sais que ça fait une heure et demie que j'ai pas eu de fantômes, y'en a aucun. Mais oui, vraiment, je te jure que c'est horrible. On est en train de courir. Et ça cause des abonnés. Ils nous prennent tout. C'est des colons. Ils nous volent tout. Mais ils se battent pour leurs ressources. Ils ont raison. Ouais, mais bon, ils sont en overboard. C'est mignon, mais bon. Et en plus, on a des cacahuètes. C'est vrai quoi d'avoir des cacahuètes? Oh, il y a un événement là dans 25 secondes, Lined. Comment? Ah oui, mais avec un warning quand même l'événement. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Moi, ça me fait peur. Oh, t'es vraiment une chouchotte. T'as un petit chouchotte. Et alors? J'ai le droit, non? Mais non. Comment on fait pour acheter une nouvelle antenne? C'est Lined. On avance pas de la vidéo, c'est un désastre. Mais Lined, oui, on va dans l'événement à venir. À Venise, en Italie. Oh. Fast travel, allez. Oh. Let's go. On doit faire quoi? Bah, je crois que c'est time, lui. Time remaining. Oh, bro. Allez, go, bro. Attends, j'espère que ça va pas remplir. Wesh. Attends, mais quoi? Attends, j'ai fait un salto arrière. Je vais faire jeu d'un pic là. Attends, par contre, moi en fait, j'ai peur que ça remplisse simplement notre bague. Et que vu qu'on a un bague à 150, bah c'est nul. Mais non, Lined, dis pas n'importe quoi. Bah, si ça remplit que notre bague, c'est pas rentable. Désolé de te le dire, mais bon. Et ça le sera, t'inquiète pas. Oh, wesh. Vol. Wesh. Neil Armstrong, il est à lui. Oh, mais toi, tu voles parce que t'es nul. Oh, le tricheur. Hop t'es un là. Tricheur. Hop là. De toute façon, j'ai la meilleure truc que toi. Donc, moi, je devrais plus que toi. Un chien de la casse, toi. Ah, mais moi, j'ai la casse. Mais en fait, t'es bête. T'aurais simplement dû, on va dire, frapper le mec. C'est beaucoup plus rentable que farmer des petites choses. Oh non, mais non, qu'est-ce non, que non, t'en non, sais, non, non. Ah, vous voulez pas, moi. Bah, c'est mieux de voler. C'est mieux de voler que pas voler. Bah non, bah, moi je t'ai vu au fond par terre. Ah, wesh. Oh, mais toi vraiment, tu voles vraiment de rien du tout, toi. T'es vraiment un tricheur. Mais ouais, je fais que de voler, bordel. Bouh, la honte, bouh. Mais est-ce que toi aussi t'as un petit point sur l'inventaire? Ouais. Et moi, ouais, j'ai un petit point, il veut pas partir. Eh, je sais même pas ce que c'est. Oh, j'ai upgrade. Oh, waouh. Je viens de break quelque chose là, je crois bien. Ouh, ah bah voilà. C'est Simone. Ah, mais j'ai antenne de niveau 2. Bah, je vais me barrer. Bah, ciao. Bah, non. Bah oui. Non, bah non, bah si. Bah, non, en fait, non, si t'as un petit 1, c'est que toi aussi tu peux avoir l'antenne de niveau 2. Eh oui. Mais j'ai pas de petit. Il est où ton petit 1? T'as pas un petit 1 derrière le magasin, enfin l'inventaire? Non. Non. Donc t'es vraiment une catastrophe jusqu'au bout, toi. T'as rien de bien. Et toi, t'as quoi de bien dans ta vie? Hein? T'as quoi de bien, dis-moi? Vas-y. Bah, pas grand chose. Et pas voilà. Grand chose, ça fait 3 mots quand même. Donc c'est pas mal d'avoir 3 mots dans la besace. C'est vrai que c'est pas bon, t'es vrai. Pourquoi tu parles quand même avec du Nord, là? Quand même mais t'es raciste envers les gens du Nord, là, Ned. Je peux pas être raciste envers les gens du Nord, il fait froid dehors. Je compatis forcément à leur douleur. Voilà, c'est bon. On a gagné quoi? Bah, super l'événement, super cool hein, génial. Hein? Mais c'est quoi cette catastrophe? Allez, moi je me barre. C'est quoi l'événement de nul là? On en a rien eu. Mais attends, mais c'est une blague. Ouais. Au moins j'ai l'antenne de niveau 2 là. Je vais pouvoir me barrer. Bah quoi? Bah, c'est où déjà l'antenne de niveau 2? Faut aller où? Bah, est-ce que t'as un petit 1 sur l'inventaire déjà? C'est ça la real question que je te pose. La real question that I have is that nowadays. Oh, tu parles bien anglais toi? Bah oui, j'ai travaillé chez Dunkin Donuts. Chez Donkey Kong. Non mais c'est incroyable, tu parles anglais comme ça. Mais t'es au courant que là je remplis grâce à la zone numéro
numéro 2, c'est insane, je suis trop rapide. Mais je sais même pas où aller, la zone numéro 2. Mais balade-toi un petit peu, balade. Quand tu vas dans un nouveau pays, tu visites avant de chouiner. Attends, mais ce serait pas le pont? Ah si, bah bon, normal. Tu es quand même dans une zone de niveau 2, donc bon, il faut que tu respectes un petit peu. Voilà. Moi, je vais acheter un bag, voilà. Le RIP bag, le bag de la mort. Tu pourrais y mettre tous tes morts à l'intérieur. Ah, pas drôle. Pas du tout, c'est marrant. Pas du tout. C'est toi qui est pas drôle. T'as un bag de niveau combien là? Pas du tout. Bah, je sais pas. Bag de niveau 150. Oh, comment c'est nul? Le niveau 150, c'est bien. Et... Bah, attends, mon gars, mais t'es au courant que là, j'ai un bag de niveau 500 et j'ai une antenne de niveau 2. Hein? Et tu me provoques. Ouais. Et tu sais que moi, j'ai une antenne de niveau 2 aussi. Hein. J'arrive, salut. Hein. T'as rien du tout. Oh, t'as vraiment rien du tout, toi. T'es vraiment. Oui, allez, à d'autres. Allez, moi, je me tape lui. Voilà. Ah, oui, t'es là. Ah, bah oui. Ah, bah, aïe, aïe, aïe. Ah, oui. Miskin, la honte. Ah, mais là, je me sens mal. Ah, bah, je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. J'ai même envie d'arrêter la vidéo sur ça tellement tu m'as escroqué. Vas-y, mais t'es qu'un rageux. T'es qu'un rageux. Bah, tu veux voir, c'est quoi un vrai rageux? Bah, vas-y. Les mecs, dites tous en commentaire que Shawan est catastrophique. Shawan est le plus nul et que je suis le meilleur. Sur ce, c'était la vidéo. Ciao les mecs. N'oublie pas de t'abonner, oh yeah. Et de liker, sinon ça va chier. Oui, ça va chier. Abonnez pas abonné.